Continuer, changer l'aventure. Non, on va faire autre chose. Bonjour à tous! On est reparti pour un nouvel épisode sur Star Wars Jedi Fallen Order. Salut, salut! Alors, bah on est reparti, hein, on continue l'aventure. Direction. Je sais plus comment elle s'appelle la planète. J'ai la planète d'Atomir dans ma tête, mais c'est la prochaine planète d'Atomir. Donc, c'est la planète. Ouais, j'ai le temps de réfléchir. Le chargement est long. La planète de. Ok, donc là, tu veux déjà tous les. On est où? On est sur la. On est sur quelle planète? Chapitre 1. Tac. Zepho, je crois. Ou alors c'est les Zepho. D'Atomir. Je ne sais plus. Alors là, bah tant pis. Je suis désolé, my bad. Donc, nous étions sur le point de soit passer par en haut, soit passer par en bas. On va passer par en haut. Normalement, vu que. Vu qu'ils ont repop. Ouais, bah moi je t'ai brisé. Lui, je l'avais déjà scanné. Allez, on est parti. Je pouvais passer par en bas, mais je vais passer par en haut. C'est chaud. En fait, faut que j'appuie au bon moment pour les renvoyer. Mais... C'est chaud. C'est bon, il est bon. Je lui ai pété son bouclier. Oula! Petit freeze, ça vient de moi. J'aurais peut-être... C'est pas grave, Là, il y a une caisse. Ah non, il peut pas. Je suis déçu. J'ai hâte de les voir pousser. Ah, nouvelle graine. Je suis déçu. Déçu. J'ai toujours pas réparé. En fait, le robot, il faut qu'il soit réparé. Il a un petit souci de je ne sais plus quoi. Alors, soit je vais par là. Ok, c'est par là qu'il faut aller, donc on va aller par là. Parce qu'il y a une caisse. Hey. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nouvelle poignée de sabre laser. Faudra que je regarde ça. Oh. Super. Allez, on est reparti. N'oubliez pas. La force... Ah oui, la force est avec moi. Allez, avec nous. Comment se faire griller? Bonjour. Je suis le laveur de carreaux, excusez-moi. Je ne fais que casser. Non, on peut pas monter. Faut pas abuser. Oh oh. Ça va glisser. Ok, je suis au-dessus de là où j'étais. Je peux faire de la... C'est quoi ça? Ah oui, c'est un...
comment on appelle ça? Un raccourci. Votre jauge de force inflige des dégâts. Lâche-moi toi. Comment ça? Un scan. Tu veux scanner? Tu veux scanner Bazooka Man? Bien joué. Rocket Trooper. En parlant de Stormtroopers, il y a le... Comment on appelle ça? Ils ont sorti le skin Stormtroopers pour Fortnite. À 1500 V-Bucks, j'ai appris que c'était 15€. Bah bordel, ils se mouchent pas du coude les mecs. 15€ le skin quoi. Appuie sur le bouton. Conformément à la volonté de l'empereur, nous avons envahi Zepho et redistribué sa population. La planète n'a révélé aucune donnée ni relique utile au projet Foreuse. Ces courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de soldats sont victimes de la faune locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu'un avant-poste symbolique afin d'empêcher les pilleurs de s'emparer de nos technologies. D'accord, donc on a la réponse, on est sur Zepho. Donc j'avais à peu près raison. Qu'est-ce qu'on fiche encore ici? Y'a rien à voir sur cette planète. Il doit y avoir des artefacts anciens, des trucs comme ça. On ne doit pas creuser pour rien. Ah, oh, qui s'intéresse les pierres et la poterie? Apparemment, ça intéresse l'Empire. Sinon, on serait pas là. Oh, la ferme. Bon. Y'a pas de coffre. Ah, j'ai oublié d'esquiver. Oh non. Voilà, c'est bien. Mais j'avais pas appris un nouveau pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Je sais pas, j'avais cru apprendre un nouveau coup hier, mais... Oh, j'ai sauté à côté. Super. Oui, parce que je suis débile en fait. J'ai regardé sans regarder. Voilà, j'avais pas vraiment regardé. Ouais, what you say? Là, il y a un coffre. Bah depuis le temps que j'ai buté des Stormtroopers, oui. Il était temps de me repérer. Oui, je voulais regarder les compétences. J'avais pas pris... comment ça, c'était quoi ça? Garde, non, c'était pas ça.
Ah, d'accord. My bad. C'était maintenir. Allez, BD1. On y va. L'un après l'autre. Visez. Oh, pitié, ça fait pas de mal. J'y vais. Bah, ils ont tué un Jedi. Ne lâchez rien. C'est le seul coup. Ça va tout de l'attaquer. J'abandonnerai pas. Ah, je suis désolé, hein, je suis extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Oh bah alors là, si j'arrive même pas à viser une corde. Il faut juste que je me concentre. Ennemi en approche. Approche pas. C'était notre dernier tireur. Tu ne rentreras pas, traître. T'es pas si balèze. On le prend en chasse. Ce sera vite expédié. Oh. J'ai dans le désert. Il est blessé. Oh, il tremble de peur. Liquidez-le. Faites attention. Battez-vous, tunnel, bout de lâche. Tu les as tous tués. Voilà, je commence à devenir un peu plus un Jedi. Bien que je reste relativement mauvais. C'est le début du jeu. Voilà. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Il faut que je me rappelle. Ah, je peux même changer la couleur du vaisseau. Ouais. Alors. C'est l'heure de la glissade. Ouh là là. Ouh là, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. J'ai quelque chose. Que savent-ils? Pas un mot sur Cordova. L'Empire ignore sûrement qu'il est venu ici. Dans ce cas, nous avons l'avantage. Pour l'instant. J'attaque quand il me...
comment ça? Examiner. Intéressant. Je crois qu'on approche. Ouais, mais si les Jedi m'ont repéré, les Stormtroopers m'ont repéré, voire l'Empire. Si l'Empire m'a repéré, il y a de grandes chances que... Bah, qui vont faire venir un inquisiteur. Parce que s'ils disent, ouais, il y a un Jedi, machin. Hop, inquisiteur direct. On peut pas passer. Bah oui, parce que tu sais toujours pas utiliser la force. Il y a une tempête droit devant. On dirait qu'elle a déréglé l'équipement de l'Empire. Je sens quelque chose qui m'appelle, au-delà de la tempête. Suis cet appel. Laisse la force aiguiser tes instincts. D'accord. Je vais essayer. Ouais, parce que le seul truc qu'il sait faire avec la force, c'est arrêter les gens. Enfin, ralentir Hop. Non, pas de points. On check. Alors. En voilà une autre. Elles sont peut-être reliées. Alors, la map, on peut pas y aller, donc j'y vais y aller. C'est par là-bas, d'accord. Donc si c'est par là-bas. Ah, salut BD1. Alors ça c'est cool. C'est cool, d'accord, donc je peux remonter. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Voilà, une nouvelle poignée de sabre laser. Ah bah c'est bon, je vais pouvoir... Après, à voir si les... J'ai pas encore vu, hein. J'ai pas encore transformation. J'ai pas encore fait d'amélioration sur mon sabre laser. Je ne sais pas si... Oula. Je t'avais pas vu, toi. Ouais, là, j'aurais dû esquiver. Vite!
besoin d'un steam. Encore? Ah merde, j'ai plus de steam. Parce que je fais n'importe quoi. Bon allez. Alors, je dois aller par là. Non, je dois rentrer dans la tempête. Oh, en passant par là, quoi. Faut pas être épais, hein, pour passer. Jamais vu une telle tempête avant. Ouais, c'est incroyable. Ils l'ont bien fait, BD, hein, c'est un de mes... Pour l'instant, c'est un droïde que j'aime beaucoup. Comparé à s'ils auraient donné une unité R2, comme d'habitude. Oh! Eh ben, les Jedi, ils ont pas inventé les ascenseurs rapides. Je suis dans le tombeau. C'est immense. D'accord. Les impériaux. Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova? Je sais pas ce que je suis censé trouver. Il est plutôt... excentrique. À qui le dis-tu? Il ne nous aurait pas conduits jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. J'ai l'impression qu'il faut mettre la boule dans le truc. Mais comment faire? Ah, d'accord. Je dois monter des escaliers. On vient de descendre et il faut remonter. Est-ce que t'as vu ça? C'est quoi ce truc là? D'accord. Bah, faut pas que je recommence. Faut pas monter. Alors pourquoi on est venu ici? Ah d'accord. Excusez-moi, je n'avais point vu le trou. Et encore de la glissade. Putain le mec, il a découvert un truc dans le level design, tu sais. Lâche. Mais non, j'avais appuyé sur le bouton. C'est pas possible. Et on recommence tout.
Faites-moi recommencer en bas, au moins. Soyez pas vache. Ah là là. Ah, c'est pas possible. Est-ce que je dois refouiller le coffre? Non. Quand c'est pris, c'est pris. J'ai besoin de soins, Bélia. Ouais, en fait, il n'y avait rien ici. Oh non, j'aurais mal esquivé. Envoie par ici. Ah là, là ça va aller un peu mieux. Non, c'est bon. Allez hop, on est reparti. On fait ça vite. Bon, bah désolé pour la descente. C'est un des rares Jedi rouquins que je me souviens. Il n'y avait pas trop de roues. Avant. Allez. On est parti. Ce coup-ci, je... Non. Ce coup-ci, je perds pas. D'accord, en fait, je pensais que ça... C'était dangereux, mais... C'est dangereux seulement si tu...
D'accord. Pas de rubis, c'est dommage. Ça c'est dégueulasse, ça c'est traître de surgir dans le dos des gens comme ça. Donc on grimpe. Là ça fait du vent. Super, j'ai cru que je pouvais l'attraper. Oui. Oui, 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 oui. Ok. Et comment ça grippe ce truc-là ? Parce que quand tu montes, il s'agrippe quand même. Ah bah voilà, ah d'accord. Super, non c'est moi, je suis complètement voilà, pas attentif. J'ai un point normalement. Ouais, on va se le mettre. Alors, ralentissement amélioré, ça dure plus longtemps. Frappe sautée. Tac, tac. Ok, c'est quand t'appuies deux fois. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, non. Non, on va faire ça. On va améliorer sa force. Alors, bah là c'est toujours bloqué parce que je n'ai point la force. Ça, c'est bloqué. Donc, pas le choix. De toute façon, je peux pas le faire. Attends. J'avais jamais vu ça. Ouais.
Exactement. C'était quoi? Beau travail. T'es le gardien du tombeau. D'accord. Et tu gardais quoi? Ok. Ok. C'est super. En plus, je suis certain que ça ne servait à rien vu que je ne peux pas pousser la boule. Ah, moins que je peux activer ça. Et encore du surf. Et j'ai loupé la corde. D'accord, donc il y a du surf. On peut pas aller à gauche, d'accord. Je peux pas arrêter le vent. Ah, j'ai sauté. Je crois que j'ai sauté trop tôt. Ok, lui il n'y a plus de steam. Et je suis mort. Ne peut pas tout résoudre. What? Ah, d'accord. Gardien.
oui, esquive, esquive. Esquive. La vraie question, c'est est-ce que j'aurais pu aller de l'autre côté? Eh oui. Ok, c'était sûrement là qu'il fallait que j'aille. Donc si c'était ici qu'il fallait que j'aille, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Il y avait du vent en fait. C'est moi qui marche au lieu de courir, hein. J'ai pas confiance. Il y a tellement de choses à faire avec les boules, j'ai vu la, faire tomber les boules, les portes à casser, faut voir. C'est cool en fait. Se concentre. Un Jedi ne cherche pas la violence, mais à se dresser contre elle. Ouais. La force est là pour nous protéger. Les obstacles sur la voie définissent la voie. Ce qui est sur ton chemin dessine ton chemin. Bien. Allez, réessaye. Donc, concentre-toi sur la balle. Pousser la balle. Avec utilise quoi la force pour pousser la balle vers RT le ciel. Pousse la balle avant qu'elle t'atteigne. Ouais, je veux bien, mais laisse-moi trouver le bon bouton. Essaie encore. Ok, faut que j'attende que ce soit bleu. Comme ça. C'est pas ce bouton-là. Ah non, je suis débile en fait. Non, c'est pas ce bouton-là. Attendez, je suis débile. C'est parce que... Voilà. Ouais, c'est ça. J'appuie. Bien. D'accord. Continue. Faut que j'appuie carrément avant. Allez, plus vite. Termine le test. Ce qui est sur ton chemin, dessine ton chemin. Génial. Maintenant, j'ai appris à pousser. Et donc maintenant, voilà, c'est... Je suis devenu... méga fort.
Donc maintenant, plus rien me résiste. Ok, il y a une porte ici. Ah oui, effectivement. Oui. La porte d'en bas. Non ? C'était pas ça ? Si, c'était ça. Bah, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ça, c'est... Tiens. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien ? Je fais rien. Bon. On va y retourner. Hein. Je sais pas, ils disent que je pouvais, mais que la porte était verte. Mais... les détails de cette écorce. Ces stries si distinctives, ça ne peut être qu'un arbre frochir de Kashyyyk. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Si les Zephos étaient liés à Kashyyyk, il y a de fortes chances pour que le chef Tarful soit au courant de tout ceci. Ok, direction Kashyyyk. On va aller voir Tarful. Esquiver. Je regarde. Le sarcophage. D'accord. Open the door. Destination Kashyyyk. Waouh! Il y en a plein d'autres! Steam amélioré! Compétences de survie! Déviation agile! C'est quoi tout ça? Apprendre! Ça c'est quoi? Augmente le niveau de santé! Et ça? Ça risque d'être intéressant. Ouais. Mais je vais augmenter mon niveau de santé.
Vu que je... Ouais, vu que je bouletise pas mal... autant monter ma barre de vie, quoi. Alors... Ici, je peux pas. Bon, on va aller là-bas. Ça doit être en fait un raccourci. Allez, mon petit petit Jedi. Alors attends. Sérieux, je suis revenu là en fait. Ah d'accord. Et normalement on va être propulsé. Il va falloir remettre une boule. Pas mal de petites énigmes comme ça. Là, il n'y a rien.
Et là, il y avait la fameuse boule, d'accord. Servait pour la méditation. Il formait des utilisateurs de la force. Ah, c'est un secret. Dans ces carillons, il y a des voix du passé. Je peux remonter. C'était ici. En fait, non, il y a un truc que j'ai mal fait. Il doit y avoir une autre sphère quelque part. Oui, voilà. Ah oui, ça c'est caché de mes couilles. Oui, effectivement, il doit y avoir une autre sphère quelque part, mais où est-elle? Le truc c'est que... Le truc c'est qu'ils m'ont ouvert ici. Je suis venu ici. Donc ça peut être que par ici. Là, j'ai glissé, je suis venu d'ici. Thank you.
aussi là. Attends, il y a un truc. Si vous. Ouais, si dans le chat vous avez le. Pas la soluce, mais si vous avez des idées. Éclairez-moi. Hein. Mais. Parce que là, je vois pas. Je vois que je peux faire du vent avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Ça me dit pas. Ah, c'est l'ascenseur en haut ici, vous pensez? Hey, on n'a pas déjà vu une de ces sphères à l'entrée? C'est vrai, elle était en hauteur. On doit pouvoir la faire descendre. Ben voilà, j'ai trouvé. Merci à tous d'avoir participé dans le chat. Non, je déconne, vous avez rien branlé. Alors. Allez, t'es parti. Allez, petite bouboule. Fonce. Oui. Des fois, j'ai l'impression d'être d'Assassin's Creed. Oui, bah oui, pour critiquer, il y a du monde, hein. Ah là là. Que de méchantes personnes. Attends, la porte s'est refermée. Je veux bien. Ah. Tu vois pas que c'est... Oh, tout ça. Les effets sont venus sur Kashyyyk. Cordova a parlé d'un certain Tarful. Ah, un chef Wookiee. Ils étaient de vieux amis. Vous pensez qu'il est vivant? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller sur Kashyyyk. Ouais, forcément, si ces deux-là, ils s'y mettent à deux, enfin, ils s'allient, on va dire. Bon, on va aller voir les Wookiees. C'est bizarre, j'ai l'impression que le truc, il monte. Et là, j'ai l'impression que le truc, il descend. De dehors. Regardez, là, on a l'impression que ça monte.
Et quand je regarde là, bah ça descend. C'est bizarre. Est-ce que tout va bien, BD1? Alors tant mieux. Mais non, c'est Monsieur Joli des Wookiees. C'est pas un nid, ça vaut pas les Ewoks, mais... J'aime Est-ce bien qu'on vient de rendre service à l'Empire? Un truc ici. Un truc que je pouvais pas accéder. Vers ça. J'ai une sensation étrange ici. Des effets s'étaient rassemblés. Je me demande pourquoi. Apparemment, faut que je remonte. C'est génial. C'est tellement bien fait leur système. Et je peux passer par là. C'est vrai. Il paraît que même ceux de l'ordre du premier ordre, ils tirent pas aussi bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Continuez à creuser. Je veux des artefacts rares, pas cette camelote. Il recherche des artefacts. Est-ce que je passe par ici pour surfer? Ouais, on va surfer. Hein.
Par contre, il kiffe cette mécanique. Hein. Le mec a découvert ça. Joli. J'ai fait le con. J'ai pas vu que le bouton poussoir était par terre. J'ai même pas pu sauvegarder. Enfin, sauvegarder entre guillemets. J'ai pas pu me mettre au checkpoint. La porte va s'ouvrir, il va y avoir plein de stentos, quoi. Attention. Quelle porte s'ouvre ? Mystère. Ok, cool. Seriously? Ils sont sérieux? Je viens de descendre tout ça pour remonter? C'est quoi ce foutage de gueule? Je le refais, hein. Mais sérieux, quoi. Y'a que moi pour faire ce genre de conneries. J'ai chopé l'ascenseur, quoi. Hop, on va faire ça. On va se reposer. Et comme ça, l'ascenseur y est revenu. Alors, ils disent que là-bas je peux pas y aller. Je crois que c'est scellé. C'est fermé de l'autre côté, d'accord. Bon, ça c'est pas gentil, ça. Bien joué. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Y'a quoi là? Ici y'a rien, il était juste stocké là, mec. Il attendait. Ah. Apparemment, je peux sauter ici. Ah.
Et oui, j'ai encore oublié de me protéger. Tu peux me soigner ? J'ai l'ascenseur, je le prends pas. On ne sait jamais où il me remonte. Voilà, on va faire ça. C'était moi une. Ah bah on va peut-être exaucer son vœu. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Oui, bah oui, forcément. Amateur, tu es le Jedi. J'ai compris. Tu ne fais que retarder ta destruction. Ah forcément, quand j'affronte plus des Stormtroopers, ça devient un peu plus chaud là. J'ai pas trop la technique sous eux, donc ouais. Ah non. Pitié non. Oh là là, bordel de nouilles. Peace.
pour percer sa garde. Je gère. J'ai besoin de temps. Oh là, je mourrai pas. Oh non, il peut pas, le petit robot. Et ça, c'est un ascenseur qui ne sert à rien. Je vais bien. Alors là, non, pas de tricky sur mon. Oh, le tricky qui le fait exprès en plus. Mais ça m'énerve. Je fais toujours les mêmes erreurs. Alors que je ne devrais pas. Oh putain, je déteste. Il arrête pas de bouger. Fais-lui, fais-le. On peut y arriver. Tuez-le, vite. Et voilà, je vais mourir, je le sens. J'y arriverai pas tout seul. Bordel. Je viens d'affronter un soldat à l'armure rouge et noire. Tout comme sur Braca. Un Purge Trooper. Leur unique but est de chasser les Jedi. Les Inquisiteurs débarquent ? C'est possible, mais on est loin de Braca. Ils pensent peut-être que les Purge Troopers suffiront. Ou alors il s'agit d'un piège. Reste sur tes gardes. Des Purge Troopers. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Hop, j'ai vraiment besoin de ça. Déviation agile. Quoi, déviation? Ah oui, non, c'est qu'on y court, je m'en fous. Alors. Thank you.
Ouais, je pourrais augmenter le niveau de force. Mais je pense que... Je pense que je vais prendre ça. Ah, je peux pas. Ça c'est quoi? Augmente la distance parcourue. Alors, ok, celui-là c'est pour remonter à l'avion, enfin au vaisseau, pardon. Et celui-là c'est pour aller dans cette zone-là. Tiens, qu'est-ce que je fais d'après vous? Je retourne à l'avion, enfin au vaisseau pour aller sur Kashyyyk, ou je prends le celui-là pour remonter là vers l'inconnu. Kashyyyk. Ok, bah go Kashyyyk alors. Donc faut que je passe par en bas. Bon, je vais t'éliminer quand même. Ça rapporte un peu de points. Un site de fouille impériale. Ils sont allés bien plus loin que ce qu'on pensait. Il y a plus important pour l'instant. Les impériaux savent que tu es le Jedi de Braca. Ils recherchent le Mantis en ce moment même. Le Mantis peut pas bouger? Démarrer le moteur serait trop risqué. Sa décharge d'énergie attirerait immédiatement leur attention. Je reviens aussi vite que possible. Ah bah super! Apparemment on peut pas décoller. Histoire de l'activer. Ah super le... Hop. Et
donc ici pour aller au vaisseau. Et ici c'est quoi? Ok. Allez, direction Kashyyyk. Un marcheur nous tire dessus et nos armes sont à chef. C'est lui? Dis-lui qu'il a intérêt à se manier le... Tenez bon, je suis en chemin. Tu as l'air content. Tu veux pas le scanner celui-là? Bref. Ouais. Les amis, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bail? Pourquoi la porte elle est pas... C'est où? Non, c'est de ma faute. Confondu la porte. Joli boulot, ça, petit gars. Eh, hey, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookiee, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk, écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookiees. C'est de l'acharnement. Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors? À propos de la force? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé, et que... nos clones s'en sont pris à nous, ma padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors... j'ai essayé de les éloigner de ma padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais... ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et... combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur... Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait
soit mort pour rien. Un instant, je tente de rassembler mes pensées. Hop, on va mettre ça une nouvelle graine. Ça ressemble à un vrai jardin. Ah, ça commence à pousser. Ok, là je peux sauvegarder ou je sais pas trop quoi. Ah oui, et là je peux personnaliser mon sabre. Donc on va voir les nouvelles pièces que j'ai eues. Donc la couleur, bah, j'ai toujours pas eu de cristaux. L'émetteur, d'accord, donc soit le... Ah c'est ça qu'ils appellent l'émetteur. Ah celui-là c'est un peu comme le... Et nos Cordova, c'est un peu le même que Obi-Wan, je crois. Bah, je vais laisser comme ça. L'interrupteur. Donc comme ça. Devoir et volonté. Courage et sagesse. Pour l'instant, je vais laisser. Ça, c'est quoi? C'est la poignée. Nature élémentaire, devoir et volonté, devoir et volonté 2. D'accord. Métal d'alliage, cuivre. Duracier, Serracote, oh, on va laisser comme ça. Ah, pour l'instant, on va pas changer. Peut-être quand j'aurai un nouveau cristal. J'aurais envie de faire un sabre jaune. Je vais regarder ce que j'ai eu. Ça c'est quoi? C'est, ouais, c'est toujours les couleurs du poncho, dégueulasse. Les tenues, bah super, y a rien. Les couleurs du robot, ah comme ça j'aime bien. Ça passe pas mal. J'aime bien bleu. Celui-là est un peu plus destiné, ouais. Et on peut changer le vaisseau. Original ou chasseur. Ouais, dégueulasse comme ça. Bon. Bon, on va aller sur Kashyyyk. On trouvera d'autres plantes et... Est-ce que tout va bien? Epec, je profite du calme avant la tempête. Ok. Vu qu'ils veulent qu'on va sur Kashyyyk. Voyager. Kashyyyk, la terre des Wookiees. Là, ça va changer, ça va être pas mal forestier. Parce qu'il était comme neuf, peut-être. C'était une vraie merveille, mais maintenant... Ah, faudra pas t'étonner de recevoir une facture. Quelqu'un a des problèmes d'argent? Je veux dire, ouais, ok, j'avoue qu'il y a un peu de ça, mais j'ai l'habitude. Et toi, t'étais riche avant? La fortune n'est pas la priorité des Jedi. Ouais, j'étais pauvre aussi, mais c'était pas si terrible. Avec mon ancien équipage, on arrivait à s'en sortir. C'est là que j'ai appris à jouer au sabacc. Un jeu qui demande des crédits. C'est un drôle de choix. Ah, on était jeunes. On misait des trucs stupides, de la nourriture ou des cailloux rigolos. Malheureusement, ça a mal tourné quand on a vieilli. Les cailloux rigolos, c'était plus vraiment suffisant. C'est dommage. La galaxie s'en porterait mieux.
Ah, le sabac. Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Oh ! Oh, on va quand même pas forcer ce blocus ? Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hé, Grise ! Ouais ? Dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Braca, les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller les scanners. D'accord, ok. Très bien. Je vois rien du tout. Oh, voilà de jolis vaisseaux. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. Pas rassurant. L'Empire dépouille Kashyyyk de ses ressources naturelles. Les Wookiees sont asservis. Bah oui, comme d'habitude. Ou alors déportés. Ouais, ça me rappelle... T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookiees et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Darfoul est peut-être avec eux. Darfoul peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution. Et... ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Braca. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes, alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière grise de faire des miracles. Hé, hey, et fais-moi plaisir. Essaie de rester en vie, c'est d'accord? Je vais tout faire pour ça. Ouais, cela raconte un peu, le Jedi. Tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, Tita. On se jette à l'eau, BD? Ah oui, d'accord, carrément. Dans l'eau, quoi. En voilà un joli robot étanche. T'es prêt à y aller ? Quadripode. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était sa tête, mais ce sont fous. Et puis pour bien faire les choses. Votre camouflage. Comment faire pour entrer? Oui, t'entends par la patte. C'est parti. C'est parti pour la grimpette. Ouais. Ok. Et maintenant? Bah, normalement, il y a une ouverture sur le toit, mais... si tu veux, on peut passer par la tête. Allez, finissons-en. Ah oui, par en dessous. J'imagine qu'on continue. Je crois qu'il y a une ouverture par en dessous. Ah non, on va passer par en haut, alors. J'ai perdu. Un pont tout en haut. Ouh là là. Bon.
C'est la première fois que je rentre dans un quadripode. C'est cool, mais par où on passe? Attends, c'est vous qui suis con? Ah ouais. Il n'y a pas de peau. À ton tour de le signaler. Ici N972-40 au rapport. On a des victimes confirmées. C'est le Jedi! L'ennemi se rapproche! Vous pouvez mourir ou vous pouvez battre tout le monde! Je suis sur lui! Allez, à vous de l'éliminer! Il bouge vite! Le Jedi est affaibli, il n'arriverait pas tout seul! Tu veux pas scanner quelqu'un? Non. Okay. Je vois un nouveau vaisseau sur le scanner. Ils sont mieux équipés qu'on le pensait. Quel est l'état de la coque? Elle est dans un sale état. On est à 70% d'intégrité et ça baisse encore. Ça devrait quand même suffire pour écraser ces insurgés. Il faut qu'on reste... Je reviens pas que ça ait fonctionné. Ok. Marche. Au rapport, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous enfreignez le protocole impérial. Faire taire, BD. Arrêtez-vous, on en est si trop. Pas mal. C'est parti. Oups. Ça fait beaucoup de laser. Ah, bloqué, c'était ceux qui voulaient le tuer. Je m'étais trompé. Ouais. Par là, ouais, ouais. Par là. Hey, qui es-tu, toi? Quelqu'un qui vient de vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin de renforts. Bien compris. Allons les mettre vraiment en colère. Kaboom! Dirige sur nous. Tu peux faire quelque chose? Accroche-toi!
à ma décharge, j'ai pas mon permis. Hein. De quadripode. De TBTT. Ouais, ça va. Et toi, BD? Non, on peut pas faire ça toute la journée. Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom? Cal Kestis. So Guerrera. Tu fais quoi sur Kashyyyk? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là? Avec mes hommes, on est venu sur Kashyyyk pour interrompre le ravitaillement impérial. Alors, qui est-ce que tu recherches? Un chef Wookiee qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance, Wookiee, qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré? Grise? Lui, c'est So. Comment ça va? Pourquoi cherchez-vous Tarful? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. C'est sur un corps que tu l'as trouvé? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui sert de Wookiee comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Oh, oh, une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il n'est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go! Go! Alors, So Guerrera, qu'on peut retrouver dans des épisodes de Star Wars Rebels, et dans Rogue One. Ah, mais tout est bien. Ouais, ouais, content de te voir aussi. C'est un vrai dépotoir, cet endroit. Ton plan a marché. Et maintenant, tu veux suivre So? Quoi, ça vous plaît pas? J'ai comme l'impression que tu passes d'un danger à un autre. Hein, quoi? Je débarque mon vaisseau en plein champ de bataille, et maintenant on parle de danger. Pourquoi ne pas m'en empêcher? Mon rôle est de te guider sur ta voie, pas de la choisir pour toi. Alors voilà ce que je pense. L'Empire a envahi des centaines de planètes. So n'a pas choisi Kashyyyk au hasard. Nous n'avons peut-être pas les mêmes objectifs. Il faut rester prudent. D'accord, je m'en souviendrai. Vous avez entendu parler des partisans? De simples rumeurs de Cantina. Mais rien de très sérieux. Ce sont des radicaux. Il paraît que l'Empire a mis des primes sur leur tête. Est-ce que ces primes vont poser problème? Je crois pas. La guerre, c'est pas bon pour les affaires. Si ces rumeurs sont fondées. Bon. Elle est pas en état de se battre. T'as raison. On n'a pas le temps. Tiens le coup, jusqu'à ce qu'on revienne. Là, il y a un vaisseau spatial. Il y a pas une baie médicale dedans? Enfin, disons... Un petit peu, quoi. Alors, fais-moi voir tout ça. Et là, je peux pas y aller. On vient d'ici. Benko. Reviens là. Quelque chose d'utile? Nouveau matériau, le poncho. Ah, super. Le poncho, je veux une nouvelle tenue, un truc qui claque, quoi. Ou une couleur. Et allez, mais quand est-ce qu'on va le réparer sur le truc du robot là?
loupe des caisses, je loupe des machines. Il y a peut-être des réserves dans ce marcheur. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Ah, ça va. Ah. C'est encore pire ici que sur Zepho. Mais rien de vraiment grave. Un vaisseau clone. Un vaisseau des clones. Allez, on continue. Vous avez bien dit Zepho? Je vivais là-bas, avant l'arrivée de l'Empire. Vous connaissez? Ouais, j'y suis allé. C'est terrible ce qui s'est passé. On n'a pas pu se défendre à l'époque. Mais ici, avec les Wookiees, on a peut-être une chance. Merci d'être à nos côtés. J'ai vu les souvenirs d'un dénommé Ostar. La Force me les a montrés sur Zepho. Mon compagnon. Il a distrait les Stormtroopers pour que je puisse fuir avec notre fille. Il a toujours été si impulsif. Il est... Oui. J'ai trouvé son corps. Au fond de moi, j'espérais qu'il ait pu s'échapper. Je suis désolé. Non, il ne faut pas. Je préfère savoir la vérité. Nous ne devons pas laisser l'Empire détruire encore d'autres mondes. C'est génial, en fait. Merci du coup de main. Si ce plan tourne au vinaigre, on est fichu. Marie a repéré les garnisons les plus proches. L'Empire n'aura pas le temps d'envoyer des renforts. On s'en sortira. Si on est assez rapide. On a déjà fait pire avec So. J'ai énormément de respect pour lui. Mais ce n'est pas une simple escarmouche. J'espère qu'on est prêt. Attendez donc, si je... Je vais regarder ça. Est-ce que les Inquisiteurs peuvent nous trouver ici? C'est possible. Il vaudrait mieux pas. On a failli y passer. Je pense qu'il y a plusieurs conversations. On pouvait pas laisser les partisans et les Wookiees se faire tuer. Cal, tes intentions sont louables, mais tu n'as pas à t'ingérer là-dedans. Et au bout d'un moment, alors faisons notre part. S'arrête. C'est tout. Bonne chance. Hop, elle a fini. Hey, fais attention à toi. Et lui aussi, d'accord. D'accord, ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, on a trouvé des indices sur Zepho et on a pu leur donner à la femme et tout ça. Donc oui, il y a une vraie interaction. Les caches d'armes. Là, il y a un truc de côté. Attends. On peut pas. Donc on va être dedans. So devrait se trouver au bout de cette zone. Ah, c'est le... C'est à cette... C'est une partie... C'est cette partie-là qu'on avait vue à... À l'E3 en World Premier. Je vais aller voir là-bas vite fait. Oh. On peut pas passer. Peut-être qu'un truc par ici peut nous aider. Emplacement marqué, appuyer pour ouvrir le... Ok. Ici. D'accord, ouais, je vois. Je vois, je vois. Donc on est parti. On est parti, on est parti. Il y a peut-être des pièces de rechange par là. Ah oui, je pense que c'est là qu'on va réparer le... Le droïde. Menace.
Qu'est-ce que c'est? Je dois me faire soigner. Tu en es où niveau puissance électrique? Parce qu'avec ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. Voilà. On l'a enfin réparé. BD1, je m'assurais que t'étais encore là. D'accord. Alors. Essayons ça. D'accord. Ok, mais moi je viens de là. C'est là-bas que je veux aller. Et ce truc-là, on peut. Hein. Est-ce que l'autre côté est plus haut? Non, je pense pas. Mais... Tu peux faire quelque chose, BD? S'accrocher. Pas grave, on va continuer par là-bas. D'accord, et puis là c'est un raccourci. Ah d'accord, ouais je vois. J'ai vu. Il faut que tu l'électrocutes. Je vois. Travail. D'accord, nouvelle menace. Ok. Elles explosent. Voilà, c'était ce passage-là qu'on avait vu à l'E3. La sève impériale est droit devant. Qu'est-ce que l'Empire fabrique avec de la sève? Rien de bon. Il raffine la sève pour fabriquer un puissant composant, et la production se fait de plus en plus vite. On doit les en empêcher. Oui, c'est le plan. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. On a récupéré une carte qui prouve tout ça. Et voilà, BD. Toutes ces raffineries servent aussi de camp de prisonniers. Ces découpeuses vont nous servir à faire diversion, pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les Wookiees. Leur aide sera précieuse pour stopper l'Empire. C'est compris. Fais attention à toi. Waouh, c'est Batman! T'as entendu ça? Il a besoin de mon aide. Allez, BD. Thank you.
Ok, allons libérer des... Ouais, on va libérer des... Wookiees. Oh là. Petit lag. Enfin, un petit freeze. Raffinerie impériale. Oh là là, c'est déchire. C'est magnifique. Regardez-moi la puissance de cette beauté. Franchement, les mecs, ils... Eh, BD1. Ils l'ont bien fait, quoi. Y a pas à chier, hein. Autant des fois, ils peuvent... Tu peux chier un jeu, autant là... Là, ça respecte à fond, hein. Augmente le niveau de la force. Là, je regagne de la force quand je tue des mecs. Et là... Et automatiquement, les tiens... Ouais, non, c'est... Deux points. Ah bah, je vais garder. Je vais me faire celui-là. Ça tire. Là-bas, une des découpeuses est allumée. C'est un genre d'exercice, tu crois? Possible. Tu crois qu'il faut le... Attention! J'ai compris. Vous croyez qu'on peut gagner? Attaquez la cible! Jetez à l'œil. Attends. À toutes les unités, nous avons perdu le contact avec la plateforme 119 grec. Là, il doit sûrement y avoir un coffre. Je passe à l'attaque. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il détourne son attention de moi. Je suis quand même un Jedi. C'était un des guerriers Wookiee. Il devait certainement se cacher ici pendant leur bataille contre l'Empire. Ah d'accord, j'avais pas vu ce... Ah d'accord, j'avais pas vu la corne orange sauter, je tue le mec et tout. Ah non, my bad. Ah, une unité R2. Je vais regarder ça. Droïde astromécano impérial. Un peu repéré. Empêchez-le de recommencer. Oui, parce que j'avais pas vu qu'il y avait ça en bas en fait. Tout ça pour un point de sauvegarde ici.
Et attention. Attention! Sortez-moi! Un ennemi. Jedi, j'attends ça depuis si longtemps. Viens vite. T'as raison d'avoir peur. Continuez, je vous rejoins dans un instant. T'as l'air coincé, je vais régler ça. J'avais encore jamais vu un soldat comme ça. Il faut que tu fasses sortir les Wookiees de là. Ne t'arrête pas, Jedi. C'est ouvert, vas-y. Heureux. Excuse-moi si j'ai mis un peu de temps avant de te répondre. J'étais un peu concentré. Ça passe juste, c'est un BD. Des scarabées flammes, ils sortent des murs. Visez le nez. Une victoire de paix. Je le tiens. On l'a en visuel. Ah non, il est toujours pas. Reculez, s'en occupe. Cible touchée. Le Jedi est faible. Venez m'aider. Je ne serai pas tout seul. Ah oui, tu veux le scanner? Attends. Je regarde. Est-ce qu'il y a un rabais? Que tu veux vraiment te brancher là-dessus? Ok. Un raccourci? C'est pour ça que tu voulais déplacer ça. T'avais aucune idée que c'était là, pas vrai? Tu voulais juste activer la découpeuse. Je vais le faire, hein. je reprends les gagnants. Je me demande si Gris peut les cuisiner. On a trouvé une nouvelle graine. Oh, ok.
Qu'est-ce qu'on a trouvé? Matériaux pour sabrer la zone. Alors. D'accord. J'ai parlé au capitaine. Ils arrivent. Oh, c'est bon, on y est. Au moins, on a l'avantage. C'était quoi ça? Une autre découpeuse piratée. Découpeuse active près des cellules. Demande d'intervention immédiate. Oh non, elle est en train de tout détruire. C'est quand même dur de renvoyer les tirs de blaster. Alors par contre, il faut que je passe à travers, c'est ça. Est-ce que tout va bien là-dedans? Oui, pour l'instant. On est presque à la prison. Parfait. Des signaux de détresse impériaux parcourent toute la planète. Si tu ne libères pas vite les prisonniers... Ça va marcher, je vous le promets. Hop. Comme ça, j'ai récupéré tout. Impossible de passer. Où est-ce que je peux passer? Bah par ici, bien sûr. Le Jedi ne va pas tarder. Et en ce qui concerne nos renforts? Il bat en retraite. Parfait. Chef? Nous ne serons pas dérangés. Vous l'avez vu aussi, non? Ça s'annonce mal. Il n'arrive pas d'esquiver. Il est blessé. Quelqu'un devrait l'attraper. Comment il fait pour tout bloquer? Durons la traite jusqu'au dernier. Battez-vous, bande de lâches! Je te tiens! Ah! Oh, ah, maintenant! Ce truc a besoin de courant. Garde. Raccourci débloqué, d'accord. Donc c'est un raccourci qui va jusque où? Bah raccourci de quoi en fait? J'irai voir après. Ça c'est quoi? Ça c'est le reste de la route. Donc je vais aller voir là. Ça lag, mais c'est pas. Hé, on vient pour vous libérer. Vous n'êtes pas seul. Ah ah. Un droïde.
Les visites ne sont pas autorisées. Cible apportée. Recherche d'une ligne de mire. Défaillance des scanners. Incapable. Vivement que je tue l'empereur pour prendre sa place. Il n'y a pas de quoi. Qui a envie de casser de l'impérial? Allez, aidons ces Wookiees à reprendre le combat. Bon boulot, Jedi. Et donc... C'était un raccourci pour où, en fait? Pour ici? Ça s'ouvre pas. On doit retrouver Saw. Là, c'est peut-être la suite. Attends, je vais aller voir là-bas. C'est ça le souci avec les routes qui se multiplient. Ouais, enfin, en même temps, je suis pas en résolution ultra, hein, je suis en moyen, donc tout partout. Donc, forcément, ça aide pas. Raccourci, mais bon. Ah oui, faut que je saute de l'autre côté. D'accord. Ah, c'était ici, d'accord. Si je monte là, tac. Peut-être aller de l'autre côté. D'accord, bah ouais. Oula. BD1, Steam. Merci du coup de main. Oh là là. Il y a tellement, mais il y a tellement de passages. Finalement, c'est bien, mais c'est un truc à se perdre. Non, Dieu, j'ai fait le tour. Attends. Ah si, c'est là que je dois aller, en fait. Donc ce serait dérangeant si je descends en fait. Ah.
col broussailleux. Est-ce que c'est l'accès aux terres d'ombre? Il y a sûrement un passage. T'as raison, la forêt est beaucoup trop vaste. Retournons voir Saw. D'accord, je crois que je suis arrivé à un endroit où il fallait pas. Je pense que c'est peut-être pour la suite. Parce que on aide Saw. Et après, si c'est là la route de la Terre d'Ombre, on va sûrement aller chercher Tarful. Parce que les Wookiees, lui, il est le chef des Wookiees. Et Tarful, je crois que c'est le... L'opération s'étend au secteur 7. Une zone appelée les Terres d'Ombre. Elle regorge d'ennemis. Le père de Chewbacca ? Mais je veux pas dire de conneries. Ah bah si, finalement, c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Et ça, comme ça marchait pas... qu'il faut de l'électricité, et ben donc on va aller voir Saw Gerrera. Si le Tarful c'est le chef, ouais. C'est ça. Avec à la fin on voit Tarful et Chewbacca qui mettent Yoda dans une capsule. Qui l'aide à quitter caché. Effectivement. Saw est devant. On doit pas être loin. Excusez-moi pour cette mort. C'est juste que il y avait du loot. En fait, j'ai voulu aller chercher. Ouais, je suis pas... Je suis apprenti. Fais ton office. Ah oui, effectivement, bien joué. D'accord, vas-y, DB8. DB8, mais non, c'est DB1. C'était génial. Salut, BD1. Ouais, enfin, c'était génial, faut quand même que j'arrive à monter dessus, quoi. Ouais, donc, retourne-y. Je vais avoir besoin de ton aide. C'est là. Non, il va me rejoindre. Ah, comme ça c'est bien. Ok, là il y a un ascenseur. Ne traîne pas, BD1. Je suis bourré. Parce que... En fait... Je fais ça... Clic, 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 ouais.
Ah bon? Tu veux scanner quoi? Qu'est-ce que c'est? Des cellules. Il y aura puis on est là quoi. Vers la prison! On a besoin des Wookiees pour en finir! Plus vite! Ils ont appelé des renforts! Allez, allez, allez! La porte est bloquée! Rien à faire, on est coincé! Oh, il faut les faire sortir de là! Repoussez-les! Le Jedi, il est faible! Viens! J'ai une ouverture! On l'a presque tué! Vite, finissez-en! Ah! À toutes les unités, Jedi abattu. Non, ils sont balèzes, ils sont balèzes, ils sont balèzes, ils m'ont bien eu. Il a mis une grenade. Je me demande s'il aurait pas pu faire une poussette de la force. Avec la poussette de la force, peut-être que ça aurait marché. Non. Je suis où là? Ils m'ont mis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont mis ici. Je peux pas ouvrir la porte. La route ici, ça sert à que dalle. On a un intrus ici. D'accord. Enlevez mes draps. Je ferais bien d'en tuer. Non, c'est pas possible. Et ici, il y avait quoi? Ah ouais, j'avais pris le truc. Bon, ouais, je vais affronter le garde. Ah non, c'est bon. Ok, c'est fermé. Bon, on y retourne. On dirait que l'entraînement a payé. Faut tellement rire. Tu peux pas nous échapper. Pas pris le bon ascenseur. Je voulais pas. Je ne voulais pas. J'ai. Enfin si j'ai voulu mais. Je voulais pas. Quoique.
Doucement. Ah moi c'est chose d'utile. J'ai fermé de l'autre côté. Ah cool. Tout ça pour ça. Et ça c'est mon souci, hein. Moi on me donne plusieurs routes. J'explore toutes les routes. Non, finalement c'est pas bon. Mais comment je peux faire? Déjà, je sais même pas comment je fais pour aller chercher ça. Non, c'est trop. Faire quelque chose, BD? Voilà. Très pratique.
subi. J'ai touché la cible. Il esquive. Laissez-moi m'occuper de ça. Ce sera une victoire facile. Je l'ai eu. J'ai raté mon coup. Il y a plus toi et moi. Ça va pas? J'ai besoin d'aide. Ennemi en approche. Je suis le plus gros là. À la marque, allez. J'ai l'ouverture. Reculez, je m'en occupe. Trouvez ton point faible. Mais je te tiens. Prépare-toi, BD. Jedi, on n'a pas assez de puissance pour percer ta coque. On s'en charge. Écoutez-moi! On a beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille à cause de l'Empire. Nous avons connu l'enfer. Et cependant, la foi demeure. Nos espoirs ne sont pas morts. Les Jedi sont encore à nos côtés. Nous sommes toujours en vie. Kashyyyk est toujours grande et forte pour la cause. Tu as vu ce que l'Empire a fait sur Kashyyyk. Il en va de même sur tout le reste de la galaxie. Mes partisans seraient ravis d'être aidés par un Jedi. Je suis flatté. Mais on a déjà une mission importante à terminer. Désolé. Alors plus tard. Reviens me voir. Cal, je suis Mari Kosan. Et voici le commandant Choysik. Je suis désolé, je ne comprends pas tout. Choysik dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour retrouver Tarful et lui parler de toi. Vous pensez qu'il est en vie? Aie confiance, Cal. On contactera ton vaisseau. Pour la cause. Tu connais Tarful?
C'était un des hommes de Tarful, mais il a été capturé en mission. Tarful n'avait pas vraiment les moyens de le sauver. Il a passé des mois dans la raffinerie. Choisik t'aidera à retrouver Tarful, mais il est très mobile. Ça peut prendre du temps. Ce serait fantastique. Merci. On dirait que So est vraiment prêt à tout. Il a une façon bien à lui de faire les choses, c'est sûr. Mais la situation l'exige. On a besoin de leaders comme So. Même si ça implique de risquer vos vies? Il faut bien que quelqu'un se dresse contre l'Empire. Alors pourquoi pas nous? Bel état d'esprit. Eh bien, ça nous fait un point commun. Bon voyage, Cal. Après, ce que je voulais dire, ce serait cool qu'on puisse revoir ce Jedi-là dans la série The Mandalorian qui va sortir. Après, je suis conscient que la série s'appelle The Mandalorian. Mais ouais, histoire de dire que le personnage il est pas mort, quoi. Enfin, pas qu'il est pas mort, mais que. Tout se passera bien. Tu sais même pas ce qu'ils ont dit. Non, mais où? Alors, tu en es à combien? À 20, il me semble. J'en suis à 14. Eh bah, t'es à la traîne. Ah, t'inquiète. Tant que je serai en vie, je continuerai à tuer des impériaux. Ça leur apprendra après tout ce qu'ils t'ont fait. Ce qu'ils nous ont fait. C'est notre combat à tous. C'est notre cause. On est une famille. Ce que tu perds, je le perds aussi. Ah ouais, non mais les mecs, quoi. Les mecs, ils comptent. BD1, par ici. Oula, je voulais pas marcher sur le truc. On a réussi. Il s'en est fallu de peu. Ce sera plus dur sans ton aide. Je sais. Mais je ne peux pas abandonner ma mission. Je comprends. J'ai des informations pour t'aider. Il y a quelques rotations, mes hommes ont fouillé un village Wookiee abandonné pas loin d'ici. Aucune trace de Tarful. Mais nous avons découvert que l'accès le plus sûr aux Terres d'Ombre passe par la raffinerie. Une issue de secours au cas où les choses tourneraient mal. Tu comprends vite. Quand tu voudras trouver Tarful, suis cette voie. Vous êtes en guerre depuis des années. Ça vous a appris quelque chose? C'est dans la tragédie que l'on s'unit. Et tout ce que l'Empire nous prend, nous rend un peu plus forts. À chaque injustice, quelqu'un rallie notre cause. Nous pouvons gagner, tous ensemble. Comme aujourd'hui. Merci. Je suis content qu'on ait aidé les Wookiees. Libérer les opprimés, c'est ce qui nous motive à continuer le combat. Chaque perte, chaque mur dressé, crée un combattant qui n'a pas peur de perdre. Nous serons bientôt assez pour gagner. Merci beaucoup. Il parle pas. Et eux, ils parlent pas. Bon, on va poursuivre. Je vais avoir besoin de ton aide. Quelque chose en écoutant les communications impériales. Le projet Foreuse a été réactivé. L'Empire s'apprête à trouver un nouveau tombeau Zepho. On a encore du pain sur la planche. Tu crois que So et les autres vont s'en sortir? Toujours aussi optimiste, pas vrai? Merci. Merci. Ce qu'il nous fallait. Enquêter sur le site de fouille de l'Empire sur Zepho. Attends, faut retourner sur Zepho?
Mais je croyais que je devais aller dans le truc de machin de l'ombre pour aller chercher Tarful. Les missions sont bizarres. On est sur Kashyyyk pour chercher Tarful et il faut repartir sur Zepho. Attends, y a pas. Raffinerie impériale. C'était ça en fait. Je prenais l'ascenseur, je l'ai fait descendre. Je prenais l'ascenseur et puis hop. Bon. On va suivre les objectifs. Hein. Siri. Cal, contente de te revoir sain et sauf. Mariko-san nous a contactés. On sait que tu n'as pas trouvé Tarful. J'adore risquer nos vies pour que dalle. C'est fantastique. Ce n'était pas pour rien. Marie et Choisic réussiront. C'est bien de rester positif. On devrait tous s'en inspirer, ça ne ferait pas de mal. Eh, moi aussi je suis positif. Positivement sûr que si je meurs, je serai très contrarié. Tu as bien fait, Cal. On n'a peut-être pas trouvé Tarful. Mais tu as sauvé des vies. Surtout, ne l'oublie pas. Merci. Si t'es pas prêt à partir, fiche-moi la paix. Un peu plus tard, Cal. Et maintenant ? Enquêter sur le site de fouille. Sur Zepho. Mais... Je fous de ma gueule, on y revient de Zepho, non? Attends, Datomir. Kashyyyk. Bogamo. C'est faux, ouais, bah oui, mais c'est faux, on vient d'y aller. Chapitre principal. Retour sur Zepho, hein? L'Empire a peut-être trouvé un tombeau Zepho. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Un des gars de Sceaux m'a parlé d'un match en jeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. C'est vrai, j'avais entendu ça. Grise, réfléchis un peu. Un de ces jours, la nuée d'action va te tomber dessus. Ah, c'est naze. Je les verrai venir même à 3 parsecs. Tes paris douteux nous ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois. De toute façon, c'est du passé tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Terminus, remonte ici. Hop, j'ai planté ma deuxième graine.
C'est un long voyage qui nous attend. Ces tombeaux anciens n'auraient pas tenu tout ce temps s'ils avaient été faciles à trouver. Je suis prêt à relever le défi. Je vois ça, oui. Je suis ravie que tu crois en ce qu'on cherche à accomplir. Pourtant, je n'y ai pas toujours cru. Je ne t'en veux pas. Tu es resté seul longtemps sur Braca, à attendre des nouvelles du Haut Conseil Jedi. Mais à la place, tu nous as eu, nous. Et vous m'avez eu. On forme une équipe. Oui, en effet. Le monde natal des Efos. Cordova a dû y passer beaucoup de temps. Cordova a passé sa vie à parcourir la galaxie pour en étudier l'histoire. Et il m'a emmené avec lui très souvent. C'était très instructif. Le passé était important pour lui? Il croyait avant tout en l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas s'il n'y a pas de passé. Vous pensez que Grise a parié sur nos chances de réussite? Cal, je m'engage à m'occuper de Grise. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Si vous le dites. Quand j'ai rencontré Grise, il avait des dettes auprès de la nuée. Je les ai remboursées. Sans exception. Du moins, je le croyais. On a tous nos démons. Oui. Effectivement. Il peut y avoir des indices sur les Efos n'importe où. On n'a pas de temps à perdre. Bon. On y retourne. Ok, à droite. Tiens, ouais, je parle. Toujours pas de Stormtrooper en vue. Ils ont dû partir à la recherche du tombeau. Tant mieux pour nous. Mais les grottes en seront remplies. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta méfiance. Faites attention, d'accord? Toi aussi. C'est par là? D'accord. Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Comment? Oh non, c'est abusé. D'accord. Comment ça, c'est en haut? Je remonte comment, moi? Aide-moi. Ah, j'aime mieux ça.
BD, aide-moi. L'impériale est venue ici pour cacher une relique. Il y a eu un éboulement. Elle a été littéralement prise au piège. Je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller. Ah bah oui. Faut que je prenne l'ascenseur. Normalement, c'est cet ascenseur-là qui... fait remonter jusque là. C'est pas bon puisque c'est là que je dois aller. Et là c'est où? Pourquoi ils m'ont fait passer par en bas? Sont cons en fait. Il me dit c'est là. Là si je remonte, il n'y a rien. C'est ici que je dois monter. Je fais comment pour monter là? Soit je passe ici. Je sais pas comment on y va, mais il faut que je passe. Monument érodé, ouais, c'est ça. Faut que je passe par où? En fait, j'ai tourné en rond. Je pense que je devais pas descendre et par la roue. Et je suis descendu. Ok, il faut que je vienne ici et je tourne à droite. Ici, tac tac tac, et je tourne à droite.
L'homme est sur la gauche. Il n'y a rien sur la gauche. Ah si, là. Voilà, c'est là que je veux aller. Je suis arrivé là. Ah d'accord, ouais, j'ai glissé, je suis arrivé là. Il y a bien un truc qui doit m'y emmener. Ou je dois bien faire de la route. Comment on fait pour aller là? Ok, en fait, je voulais que je passe par le hangar. Oh là là. Et donc, je suis où là? Faut que je remonte là.
Désolé, hein, j'ai un peu perdu, mais bon. Hey BD, qu'est-ce que c'est? Ok BD, qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, c'est là. Et donc c'est là. Bien ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Ouh. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une statue Zepho géante, donc je pensais trouver des objets Zepho. Remplacer le tien. On va te réparer, mon pote. On va enfin avoir le interconnecteur. Si je fais ça. Tu veux l'essayer? Thank you.
d'avoir mal. Ok, donc faut aller là. Et donc pour aller là, eh ben faut prendre l'ascenseur. Il est où le foutu ascenseur? Il est en dessous. Pour aller en dessous. Il faut remonter. Et comment on fait pour remonter?
Et non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. On s'y perd avec tout ça. Non, mon but c'était d'aller en bas. Et pour ça, il fallait que j'aille là. Il fallait que je glisse. Et pour ça, il fallait que j'aille là. Donc, faut que j'aille derrière en fait. Alors, c'est où la glisse? C'est là la glisse. Voilà. Et là, attends que je suis en bas, il faut que j'aille.
Impossible de l'atteindre. Il est touché. Il n'arrive pas d'esquiver. Il va trop vite. Au secours. Pitié, aidez-moi. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Tu veux le voir coup ce que c'est? Voyons ce que t'as trouvé. Je me sens pas bien, BD. Bien joué. Nouveau matériau pour s'embraser. Donc si tu peux de conneries, non, c'est là. Monte. Ah, c'est là. J'espère pour ceux qui sont sur le chat que ça va toujours. Je suis un peu perdu, hein, désolé, c'était un peu pénible. T'as quelque chose ? Mais bon. Ah ah. Là on peut glisser et sinon plus important on peut sauvegarder. Tu t'amuses bien BD? Ça a l'air si facile. Un effondrement l'a tué. Les fouilles effectuées par l'Empire fragilisent ces tunnels. Il y a comme une vieille odeur d'huile. Mais non, BD, pas toi. C'est cette eau. Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça? T'as vu? On dirait que l'Empire n'est pas notre seul problème. Content que tu sois là, BD. Les villageois ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. S'ils avaient su la vérité... Oh, le monstre là-bas. Oh non, je crois que c'est celui qui... on a affronté. Il y en a pas mal de monstres ici. Apparemment, il faut aller à gauche. Grise, t'es occupé? Eh ben, j'ai essayé de regarder. Enfin, non, rien de spécial, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment? T'es long à la détente. Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais. Ouais, ok. En fait, je voulais juste te remercier. Écoute, tu sais, y a pas de quoi, petit gars, mais je dois vraiment filer. J'ai un truc que je dois... A plus. Chelou le mec.
rien à récupérer. Walou, que dalle. Ah, une corde. Hey, BD, on y va. Regarde, on explore. Graines. Ces plantes ressemblent à la fourrure de grise. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-bas ? Désolé, j'ai vu que ça avait un peu lagouillé, mais droïde sonde. Il nous surveille, BD. Come on.
donner un Steam BD? Au travail, BD. Oh, il y a une boîte qui m'intéresse. Alerte rouge, alerte rouge. Sabre laser. C'est un sabre laser qui a tué le commandant. Sabre laser. Mais il a pas pu voir c'était quelle lame. Ça aurait pu être une lame rouge. Je crois qu'on se rapproche. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ça ne me dit rien qui vaille. Site de fouille impériale. Ben moi je dis qu'on va s'arrêter là parce que je ne sais pas pourquoi mais ça commence à la gouiller un tout petit peu et ben c'est chiant quand ça la gouille. Donc on va regarder ce que c'est ça. D'accord. Ralentissement. Je vais ralentir plusieurs personnes.
finalement, je vais prendre ça. Ce serait peut-être cool sur les ennemis. Faire une esquive, bam, le coup de pompe. Quand je ferai une esquive, je pourrais mettre un coup de pied, ça va déconcentrer et hop, je remettrai un coup de sabre laser derrière. Donc, bah, hop, merci à tous d'avoir regardé ce live. C'était très plaisant. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire le mercredi, puisque je stream le mercredi et le samedi, sauf chose exceptionnelle, donc stream exceptionnel. Donc, on se voit mercredi pour la suite de Star Wars. Allez, à ciao les amis.